Les amis, comment on se retrouve aujourd'hui à nouveau? J'ai l'impression, vous savez quoi les gars, j'ai l'impression que depuis que j'ai plus ma piole là-bas, là, c'est très difficile de pouvoir faire des vidéos, on va dire, correctes, parce que là, tu vois, l'installation, tout ça, c'est vraiment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc là, avant que les Sierra Galaxy 200 repartent chez mon ami Carlos, on continue les quelques écoutes à faire. Donc à faire... avec les Maniacs Transpulse 1500. Et bah, il y a toujours du plaisir. Après, moi, ce qui m'embête, c'est vraiment la pièce. Elle me plaît pas. Après, vous, derrière, à l'écoute, ça va peut-être vous plaire parce qu'il va y avoir plus de clarté au niveau du son, tout ça. Mais toute vu que la pièce est réverb et tout, franchement, tu vois, je kiffe pas de ouf. Même si le son, il va être bon. Voilà, c'est le fait de m'être habitué à avoir une autre. Une autre pièce où, tu vois, j'ai pris goût en fait, j'ai pris goût. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, tu vois, j'ai hâte d'avoir une nouvelle pièce et de pouvoir mettre le paquet au niveau d'avoir une big pièce, ou à foutre les enceintes, là, qu'on mette du son, qu'on se fasse plaisir, qu'on fasse péter le son. Et voilà, parce que là, c'est vraiment... c'est galère. C'est galère, galère. Mais bon, on n'a pas le choix. Et puis en même temps, bah, moi, au niveau de la vie... la vie courante, j'ai envie de te dire que ça va avoir un petit tournant là. Après les vidéos, je crois que je vais pas en faire avant un bon moment parce que j'aurai plus du tout de temps. Mais bon, j'essaierai de temps à autre quand même de vous faire quelques vidéos voilà, par ici, par-ci, par-là. Et donc voilà, les gars. Voilà. Donc là, on va se faire une petite écoute sur les Sierra Galaxy 200 avec le Pioneer A80, toujours là, tu vois, qui est là-dedans. À sa place, tranquillou, et c'est parti donc sur un petit son que j'apprécie beaucoup. C'est un petit son de blues que j'adore. C'est parti. Ça.
J'ai bien aimé l'écoute sur les deux, de toute façon, les deux, moi j'aime bien. Voilà, après c'est marrant, tu vois, parce que mon avis il est un peu. Tu vois, quand je vais te dire j'aime bien, c'est-à-dire que là, en fait, dans ma tête, je prends en considération aussi la pièce. Alors que, tu vois, c'est assez chiant maintenant, parce que du coup, je vais souvent penser à cette histoire de pièce. Et du coup, voilà. Mais en fait, pour résumer, en gros, tu vois, je trouve que les maniates avec une pièce avec du carrelage, je trouve qu'elles sonnent plutôt bien parce que elles ont un son qui est assez plein et du coup en fait t'as pas de ça monte pas en fait, ça monte pas dans les aigus, tu vois. Alors que les sierres, quand tu les pousses un petit peu, malheureusement avec le carrelage, tu vois, je trouve que ça va être il va y avoir de la sibilance, il va y avoir un peu de sibilance. Après au niveau de la qualité des timbres, tout ça, elles sont bien. J'aime beaucoup le médium qu'elles ont. Bon, après, tu vois, elles ont quand même un 18. Elles ont une bonne qualité de son. Au niveau du grave qui descend, je le trouve plus rond sur les maniates. Tu le verras après, j'ai passé un autre style musical. J'ai passé un peu de funk. Et sinon, au niveau du médium aigu, tu as une bonne alchimie entre les deux. Dans les deux enceintes, en fait, tu as une bonne alchimie du médium aigu. Après, ça va être vraiment, je te dis, ça va être la pièce qui va y jouer. Et c'est ça qui fait que bah voilà, ça va te faire la différence. Si tu mets tes enceintes, tu vois, je pense notamment, je vais te dire par exemple à des Klipsch. Des Klipsch, tu les mets, les Klipsch RF7, tu les mets dans le carrelage. Là, sur le carrelage, le son, ça va monter, tu vois. Alors que tu les mets dans une pièce, par exemple, je vais te dire dans un auditorium avec de la moquette, tu vois, c'est traité, direct, tu vas avoir une bien meilleure alchimie. En plus, si tu mets l'ampli qui est en adéquation, forcément, tout va aller avec, tu vois. Mais c'est tout un ensemble, en fait. Pour ça, tu peux pas dire, ouais, vas-y, c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, non, on ne peut pas critiquer un système tant qu'il n'est pas mis en valeur à 100% pour que ça matche parfaitement entre tous les éléments, tu vois. Donc voilà, après ça, c'est une réflexion que tu te fais bah, au fur et à mesure, tu vois. Là, moi, c'est avec la pièce que j'avais là-bas. J'ai une différente qualité d'écoute, en fait, selon le matos. Et du coup, ça, bah, tu vois, ça te change un peu ton avis sur différentes choses, tout ça, tu évolues en fait. Voilà, et là, c'est mon cas. Donc voilà les gars, pour cette petite approche au niveau de la hi-fi. Mais en tout cas, sachez qu'il faut rien changer. Moi, je vois souvent, il y a des gens qui parlent de qualité matérielle et tout. Bon, les maniates, c'est de la merde, vas-y, ça vaut pas cher et tout. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, en tout cas, elle me donne un bon plaisir auditif. Voilà, j'aime bien. Donc, quand on me demande mon avis, ouais, Nico, qu'est-ce que tu penses des maniades et tout, est-ce qu'elles sont équilibrées et tout ça, je vais vous dire, ouais, ok, écoute, franchement, elles sonnent bien. Pour moi, elles sonnent bien. Je prends du plaisir avec ces enceintes-là. Ça va pas être des enceintes audiophiles. Mais voilà, le plaisir, il est là. Et après, tu vas pas demander à avoir une enceinte audiophile tu vois, à 800 euros prix plancher neuf. Il faut pas non plus après demander, tu vois. Il y a des cohérences à avoir, en fait. Et ça, je pense qu'il faut quand même s'en rendre compte. Je préfère vraiment mettre 1000 balles, tu vois, dans une paire d'enceintes. Et je sais à quoi m'attendre, plutôt que je te dis mettre 5 000, 8 000 euros dans une paire d'enceintes où je sais pas à quoi m'attendre et je risquerais d'être déçu, tu vois. Donc voilà. Donc là, je te dis, c'est vraiment une enceinte plaisir. Voilà, je donne vraiment mon avis là-dessus, une enceinte plaisir. Quand tu les écoutes, voilà, tu es là, c'est bien, on est bien. Voilà, faut pas chercher à tortiller du cul, à dire, ouais, tiens, oh, j'entends pas au bruit, au fond de la scène, là, il y a quelqu'un qui a fait grincer la chaise. J'ai pas entendu, merde, comment ça se fait et tout. Je l'entends sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, en fait. Il y a trop de comportements qui font que, comment dire, faut pas pinailler, en fait. Voilà, t'écoutes, ça te fait plaisir, tu prends ton pied. Après, ça reste une bonne qualité, la qualité des timbres. Voilà, que les aigus soient bien retranscrits, un beau médium. Et après, que le grave, il te donne la partie basse, en fait. C'est pour ça qu'on a souvent des enceintes avec des. Comment dire? Les enceintes qui ont le gros haut-parleur de grave, en fait, c'est ni plus ni moins pour te donner la sensation physique comment dire. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'enceintes avec un 38 cm qui sont abordables, en fait. Toutes les enceintes avec un 38, elles volent les pépettes. Les pépettes, tu es obligé d'aligner un sacré billet pour avoir des enceintes de ce niveau-là. Et du coup, en fait, si t'as pas la pièce, c'est-à-dire si ta pièce, elle n'est pas. T'as pas la pièce en adéquation avec l'enceinte, que t'auras, tu peux très bien te contenter d'une enceinte qui soit pas forcément grosse, juste qu'elle ait un bon médium aigu, qui soit en bonne alchimie, et que le grave aussi, bon, qui descende quand même, tu vois, mais que ce soit pas non plus exorbitant, mais voilà, que tout soit en alchimie, voilà.
Donc voilà les gars, en fait j'avais plein de choses à vous dire, mais c'est un peu compliqué parce que là je vous parle de ça, c'est par rapport à tous les commentaires, parce que des commentaires j'en ai toute une palanquée, j'ai plein de trucs tu vois, qui me reviennent en fait quand je te parle à la caméra. Du coup c'est pour ça que j'essaye de te dire un petit peu certains points qui me reviennent à l'esprit. Mais bon après voilà, ça c'est une parenthèse, mais en tout cas ça change rien en fait que bah, qu'on kiffe la IFI et ça changera pas, et que chaque système est bon et il n'y a pas de système de merde ou quoi, parce que des fois je lis des trucs. Et franchement, ça me fait bien chier parce que je me dis, putain, les gars, arrêtez de critiquer, quoi. Faut être un peu, comment dire, un peu, mettre un peu d'eau dans son vin, être humble et voilà. Parce que regarde, moi, c'est pas par rapport à tout ce que j'ai. Je vais pas dire, ouais, tiens, j'ai le meilleur matos du monde ou quoi. Ça, je m'en bats les reins de tout ça. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est, voilà, vous faire partager la passion et qu'on s'échange aussi autour de ça. Parce que là, c'est pas fini. Là, maintenant, ça va durer. Je pense pour la vie, tu vois. Moi, là, les vidéos, c'est que le début et ça va pas finir parce qu'on va faire plein d'essais, on va faire plein de trucs. Et voilà. Donc, en tout cas, merci aux gars qui me suivent, à tous, merci à tous. Et puis voilà, et puis après, bah, je sais bien que on peut pas plaire à tout le monde, mais on fait du mieux, en tout cas, pour les personnes qui sont là et qui soutiennent un peu la FI. Voilà. Bon, allez, ciao les gars, bisous à vous et prenez soin de vous.